na meli na mokongo fali pupa aya na quartier la tena moment moko dramatique na moment oyo na vie na ngai na zoa la plus grande trahison o babenga pena likongo na mokongo batianga pena meli na mokongo na kuya makile tanga mena kufite Marc ogoroye bate soki degani na zaka na repetition na au jour fali ayaka yango na garçon na pona ngaza particulier quoi. Le problème est ya autour album mon ya li producteur wana ya Côte d'Ivoire ba tu basi ba histoire ngo kwati na diaboliser encore plus exacte donc azaki ni azande na rancune na problème au contre Koffi Olomide yo lo concept ça biso analyse moi mukuse je veux dire haut et fort Fally il peut pas se laisser l'artiste musicien congolais et africain qui a le droit d'être fainéant. Ça veut dire essaie un peu d'expliquer Essaye un peu d'éclaircir l'opinion. For those who speak English. Okay. Fally Ipupa is a master. He's a big artist. We have to respect that. Okay. Nalobi en français. Nalobi du son en français. Fally Ipupa, c'est le seul artiste musicien qui a le droit d'être fainéant. Ça vous va. Il y a une chose dont on doit dire que c'est l'uniformité de sa façon de faire. Je parle bien de l'aspect de l'uniformité. Fally Ipupa, il s'accroche avec ses fans. Quand tu le chantes, quand Fally chante, on a besoin de sa deuxième idée parce qu'il va te aussi. C'est ce qu'on appelle quoi, papa. Comme vous savez, m'appelle Fénéantise. On a droit, maman, tu es papa, maman, pourquoi on va Fénéantise? On a droit. Moi je dis que Fally a le droit d'être fainéant musicalement parce que les efforts fournis dans le studio est payé. Sur le plan spectacle, pas débile, mais c'est ah, papa, Fally lui-même en personne, il est spectacle. Il y a toujours moi à lui passer le boulot. Pour moi, une fois, il y a un téléphone, il y a une télévision. On a Fally pour doser Bohème. Fally fait partie des artistes qui sont bons en Afrique. C'est tout ça là, trophée, des artistes bons. Beauté, beauté, la musique. Ça compte la musique, papa. Drake a vraiment 20 millions de droits, papa. Ça compte. Là, il aura bien pas ma sociologue. Ok. La compensation de la dédain, ça existe. Nous tous les gens, moi et l'université, a subi ça. Alors, on va bien dans le regard de la société, dans le jugement. Alors, Fally, va prendre la route. Il est beau à regarder, papa. Pourquoi musicalement, tout ça, on a mis. Ah, il est le maestro, papa. Oh, ouais. Tout le monde est dans la route. On est moins à l'invité, papa. Le tien est maestro, papa. En Afrique, mais au central. Ouais. Tout qualifié Fally, il est le nain. Papa, Fally est une légende. Scientifiquement, je l'ai déjà prouvé. Dans la vidéo, je suis en train de dire. Dans la vidéo où je suis en train de dire. Fally Ipupa est une légende. Je ne sais pas si tu as contredit. Je ne sais pas si papa. Je argument sais pas si tu as dit. Je ne sais pas si tu as dit. Je ne sais pas si tu as dit. Je ne sais pas si tu as dit. Je suis le meilleur de tous les temps. Je suis le meilleur de tous les temps. Fais ça et le mot Oyomo, il fallait arrêter. La concert. Et le retard. Papa, et le seul avis, c'est égoïsme. On est des Congolais. Nous avons grandi dans une société où les gens n'ont pas la culture de l'excellence. Voir c'est déjà ce qu'il est en train de faire dans ta province. Papa, c'est la quatrième couche, papa. Même dans nos aspects scientifiques, dans ta quatrième. Quatrième couche. Jean-Louis, par rapport à l'absence à écran. Bienvenue. Absence à écran. Les conditions en salle, papa. Quand on est professionnel, il y a certaines choses, on discute plus. Les conditions en salle. C'est pas Fally Ipupa, la salle, la charge à l'écran. Non, ils peuvent demander si ça n'existe pas. Et là, on va protéger. Non, et là, on va protéger la quatrième salle, les acoustiques, néanmoins. Parce que chaque salle, il y en a une Europe avec l'acoustique, il y a salle. Dans la salle dédiée à la musique, dans la salle adaptée à la musique, des choses différentes. Soro y a bien mon caca. Pour ça, débat sur la radio, on a dit. Il est le maestro, papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Papa. Voilà, de vos jeunesse. On est ensemble. De vos jeunesse, toi, tu es mon homme. De vos jeunesse, toi, tu es mon homme. Au soin de moi. Bonne santé. Je vais aller à Babolo, mais même des jeunes. Moi, je vais aller à Babolo, mais. Ah, maman, ça va bien. Maman, ça va pas bien. Bonsoir, papa. Vous avez passé par rapport au concert? C'est comme d'habitude, hein. Okay. Comme le début du tournée, et jusqu'à la fin du tournée, c'est la même température. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à Fally maintenant? Toujours courage. Nous savons qu'on va se voir au Stade de France, c'est pas 2025-2026, Inch'Allah, on va se voir là-bas. Nous tous, notre destination, c'est le Stade de France, donc du coup, on se voit là-bas. Qu'est-ce que vous avez retenu de particulier dans ce concert? Lui, chaque concert, il a une particularité un peu différente. Vous voyez, presque toutes les chansons se chantent en même
Donc on a la même façon, mais du coup il y a des petits trucs qui font un peu de modifié, qui nous fait du bien en fait. Est-ce que vous vous êtes ambiancé comme ses doigts? J'ai mal à la hanche. Ok, merci beaucoup. C'est quoi votre prénom déjà? Jonathan Manga. Jonathan Manga, ouais. Très ravi, merci beaucoup. Merci frère. Je dis, c'est ça de vous.